Tombe là, attendez, je lis quand même. Je vais chercher le japap. Attendez, je vais chercher le japap. On m'envoie les infos en temps et en heure. Attendez, je vais chercher le papa, le japap. On m'envoie les infos en temps et en heure. Attendez, d'abord, je vais lire. Adjinje, je vais lire après. Élise, tu sais que. Je m'en fous des captures d'écran. Est-ce que c'est mon cul? Je porte les couches. Oh! On a chassé, Bibi! On a chassé! Chassement! Chassé! Chassement! Chassé! 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 Chassement! Chassé! Chassement! Chassé! Un chasseur, chasseur, chassé! Chasse toujours ça son chien de chasse. Un chasseur, chasseur, chassé. Chasse toujours ça son chien de chasse. Un chasseur, chasseur, chassé. Chasse, je vous ai dit que les... Je parlais de ça tout à l'heure. La honte, attendez. Je vais... Si vous me donnez, je vais prendre la capture d'écran. La capture d'écran de pipi. Que j'ai eu. Mon bois, mon pipi, tout le monde. Ah, pipi, mon bois. Entre Ngungol à Namiminga, me bois pipi, me bois pipi, c'est chaud. Chassement, chassé, 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 un chasseur, chasseur, chassé, chassant son chien de chasse, un chasseur, chassant, chassé, chassant son chien de chasse, pipi, oh, chassé, pipi, oh, pisseuse, pipi, oh, chassé, pipi, oh, pisseuse. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas le Cameroun. Les numéros sont importants. Faut garder. Il faut... Oh, pipi, je vais peut-être bosser, mais moi je pars. T'as pas un retour au bercail. Oh, chasseur, chasseur, chasseur. Si Dieu fait mon palabre, pipi, je te dis que je suis. Tu ne me connais pas. Quand je suis colère envers quelqu'un. Comme de la merde. Comme de la merde. On vous a botté le cul. On vous a botté le cul.
les choses du Cameroun. Ce sont les choses du Cameroun que vous avez voulu faire, comme on a fait là. Est-ce qu'on était au courant de vous? On n'était pas au courant de vous. C'est les réseaux sociaux qui font qu'on découvre que... Hein? Donc c'est eux. Aline, Christine, Marie, Christine, Zomombom. Prochainement, c'était cool. L'humilité précède la gloire. Parfois, il faut savoir se calmer. Oui. Yo, pipi, c'est pipi. C'est pipi que moi je veux voir. C'est pipi que je veux voir. Oh, 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 oh. C'est pipi, la tête de pipi. Capturez-moi la tête de pipi. Capturez-moi la tête de pipi. C'est elle qui m'intéresse. Pipi, oh, pipi. Pipi, oh, pipi, oh, pipi, oh, pipi. Pipi, oh. Tu as fini de pisser, tu as fini de pisser à l'hôtel Montfaubé. Oh, maintenant tu rentres en France. Oh. Fini de pisser à l'hôtel Montfaubé. Oh, pisseuse, ouh, ouh, pisseuse, pipi, pipi, pisseuse, qui t'a dit de pisser? Ouh, pisseuse, ouh, pisseuse, ouh, pisseuse. Pisseuse, je t'attends. Pipi, I am the prêtre. I am the prêtre. I am the prêtre, pipi. I am the prêtre. La honte peut te tuer. La honte peut te tuer. La honte peut te tuer. Même le badge. Un simple badge. Vous aurez même plus trafiqué un badge. Vous savez qu'on trafique tout au Cameroun. Même le badge. Vous aurez pu trafiquer même le badge. Tiens, même trafiquer un badge, vous êtes incapable. Aïe, anti. Je vais bien dormir aujourd'hui. Je vais finir ma bouteille. Je dois finir ma bouteille maintenant là. Oh, aidez-moi à finir ma bouteille. Pipi me bim nous élan. Pipi me douzout. Pipi élaï yo à l'autoroute. Pipi, ce sas à noé bon. Obile ce sas à me canne. Même si elle reste au pays, elle ne sera pas au Montfaubé. Même si elle reste au pays, ce n'est plus le Montfaubé. Elle n'est pas à Kribi. Kitty Yaou, bébé. Yeah! Influenceuse de l'État. Influenceuse de l'État. Voilà mes jambes. Influenceuse de l'État. Influenceuse. Maman. Vous allez cotiser. Si elle ne rentre pas là, elle va payer son billet elle-même, le billet retour. Si elle ne rentre pas, elle va payer le billet retour. Et vous allez cotiser. C'est le manioc. Mieux de vous. Vous êtes venu cotiser pour les gens sur les réseaux sociaux. J'ai dit à Pipi, oh, dès le départ, oh, qui va intervenir? Qui va intervenir? La ligne est ouverte. Maintenant, on est en mode Japon. Qui va intervenir? Intervient. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. La honte peut la tuer. Tu es d'abord allé chercher quoi? Tu es parti chercher quoi?
Oui, tu vas payer ton billet retour. Tu vas payer ton billet retour. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu n'es pas rentré avec les autres pour profiter du billet retour. You pay de ta poche. C'est ça et c'est pas autrement. Et voilà. Moi, une jeune fille, il recolle sud d'elle en allant et au retour. Maintenant, tu viens souffrir. Tu viens maintenant souffrir. Tu viens souffrir. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, hein. J'avais prévenu ici que, comme elles partent là, comme elles ont fait le bruit à l'aller là, les gens ont nyongo. Les gens ont nyongo. Les gens des numéros ont nyongo. Quand ils appellent abonnés aux absents. Quand ils appellent abonnés aux absents. Est-ce que c'est de ma faute? Allô, A1 déjà. J'enlève la couche. La couche est ridicule. Ok, j'enlève la couche. J'enlève la couche, mais c'était la couche pour clasher pipi, non? Est-ce que moi je pisse? Est-ce que moi je pisse en public? J'enlève la couche pour clasher. J'ai mis la couche pour clasher pipi. Maintenant, je peux enlever la couche. C'était pour clasher pipi. Je l'enlève. Oh. Enlève la couche. Oh, la couche là est ridicule. Voilà. Ça va servir à, ça va servir à une autre occasion. Ici, là, je ne jette aucune des couches que j'utilise depuis que j'ai clashé. Je n'utilise aucune couche que je clash pipi depuis. Vous avez vu. Si c'était elle qui portait ça, alors ça allait être mouillé jusqu'à. Voilà, c'est. Voilà mon entrejambe. Blanc comme neige. Blanc comme neige. Si c'était pipi, ça allait être jaune. Jaunâtre. Ça allait être bien jaune. Escale en Algérie. Adieu, ouais. Aïe, pipi, oh, tous les. Pipi, je te souhaite tous les malheurs du monde. Et quelqu'un te tend la main. Qui a chanté ça? S'il vous plaît, je vais mettre la musique là, je vais danser. Pipi, je te souhaite tous les malheurs du monde. Qui a chanté ça? Qui a chanté ça? Qui a chanté, je te souhaite tous les. Oui, je vais prendre. Aujourd'hui que ça va chier. Papa, c'était quoi? Qui a chanté? Je te souhaite tout le bonheur du monde. Oui, c'est pas grave, les captures d'écran, ils peuvent faire que j'en ai à foutre. J'enlève la couche, j'enlève la couche. Et alors, est-ce que la couche là, c'est. Maintenant, j'ai pas de couche. Vous pouvez faire maintenant les captures d'écran. Et puis, est-ce que je suis une laide femme? On te dit que j'ai un entrejambe sale, moi. Hein? Qui a chanté, je te souhaite tout le bonheur du monde, là? Mais je veux chanter ça pour Pipi, que je la souhaite tout le malheur du monde. Aidez-moi, qui a chanté ça, la chanson? Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite tout le malheur du monde.
malheur du monde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Va vendre ton piment à 10 francs. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Un piment pourri, pourri, que même les jeunes ne vont pas payer. Je te souhaite tout le malheur du monde. Oh oui, tout le malheur du monde. En voulant faire du mal, on paye le mal. Le karma de ça, ça vous a rattrapé. Vous voilà. Ça vous a rattrapé. La honte de ça. Les influenceuses et l'État. Les influenceuses et l'État. Les influenceuses et l'État. Vous connaissez même le Cameroun. Le pays qu'on appelle le Cameroun, c'est ma calcul, ma plan. Sauve qui peut. Le scandale que vous avez vu, le scandale des influenceuses d'État là, c'était pas petit. Hein? Ce n'était pas petit. Chacun dit que ce n'était pas moi. Oh, oh. Anobino, tout le monde s'est mis comme ça. Même les gens qui ont amené leur nom devant sont Nyongo dans les Isongo. Oh, moi, je suis au courant depuis avant-hier. J'ai encore les échanges. Depuis avant-hier, on les a dit que s'ils ne quittent pas l'hôtel d'ici 2-3 jours, ils vont devoir payer la facture eux-mêmes. C'était comme ça et pas autrement. Quand vous les avez vus en train de commencer à aspirer eux-mêmes les chambres, à donner un coup de main. Vous connaissez même les grands types du pays. Les grands types du pays n'aiment pas le bruit. Les grands types du pays n'aiment pas le bruit. Je vous ai donné comme conseil que vous qui avez les numéros, vous qui avez vos gens, vous qui avez des privilèges, protégez vos gens. Vous avez vu que ça vous serve de leçon. Hein? Elles étaient censées partir pour un mois. Ça n'a même pas fait 15 jours. Je vois. Mimi Love dit que quoi, malade, on n'avait plus de... Vous connaissez même le Cameroun. Que ça nous serve de leçon, ceux qui ont les numéros. Que ça nous serve de leçon. N'y a digné ça. N'y a bon au gouvernement et digné ça. Vous aimez vous exciter. Prends-moi sur ton direct. Attends. Quelqu'un va intervenir. C'est qui? Attends. Ok, je t'ajoute. C'est bon, tu as ajouté. C'est bon, je t'ai ajouté. Bonsoir, mon petit frère. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, mon petit. Les influenceuses d'État. Les influenceuses d'État. C'est la magie. Oui. Attendez, mon Dieu. Voilà, je me mets dans l'avion, mon cadre de Lila. Vas-y, mon petit bon, compte. Maintenant, Envoyez les cœurs. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Mon pote, il renvoie encore l'invitation, renvoie. Envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs. Comment? Mon petit frère, envoie l'invitation, je te prends. Oh. Je mets le numéro, lâchez-vous. Je mets le numéro, c'est. Là, je mets le numéro. Ah. Le numéro est là. Le numéro est là. Lâchons-nous. Appelez, 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 appelez. Le Cameroun, un broyeur. Une machine à broyer. Le Cameroun, une machine à broyer. Le numéro est là, il est épinglé. Appelez. Après, vous allez être nombreux à appeler au même moment. Voilà que c'est la ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Voilà. OK. Bonsoir. Allez-y, madame, on vous écoute. Lâchez-vous. Ma soeur Élise, je suis tellement contente. Tu ne peux pas savoir. Tout à l'heure, j'étais dans ton direct. C'est moi qui écrivais là. Qu'on est en train de les chasser de l'hôtel et tout, comme elles ont été chassées de l'hôtel. Je suis seulement contente, franchement, parce que le comportement d'Aline laisse à désirer. Voilà. Je ne comprends pas comment une femme de cet âge est incapable de fermer sa bouche, elle est incapable de garder un secret. Un secret, quand on côtoie une certaine classe de personnes, il y a un certain comportement qu'on doit afficher. Voilà. Mais franchement, je comprends pas comment cette femme à cet âge, elle se comporte de la sorte. C'est-à-dire, elle fait tout, elle fait que de l'amalgame. On dirait qu'elle est en concurrence avec une personne. Si tu as reçu un billet, si tu as reçu gracieusement un billet, mais tu n'es pas obligé de venir dire, voilà, j'ai reçu, je connais telle personne, je connais des milliardaires. Elle ne connaît pas qui nous sommes. Nous sommes dans les réseaux sociaux, mais on ne se connaît pas du tout. Voilà. Nulle part comme ça. Il faut voir l'autre qui se met dans une salle de bain toute nue à faire des danseurs. Oh, je suis la pute du président, ceci. J'ai même peur de prononcer le nom de ce papa, même pour l'image de sa femme. Quelle est la femme qui peut accepter voir ce genre de choses? Élise, tu as ton mari. On peut sous-entendre qu'il te trompe, mais est-ce que tu peux accepter qu'une pute se mette devant dans une baignoire à celui d'Adam et commencer à dire, moi je suis la pute de telle, moi je suis la pute de telle. Elle ne s'est même pas mise à la place de la femme en tant que femme, ce que la femme de ce monsieur du président pouvait ressentir. Donc moi je dis Aline. Partagez les.
les amis, partagez, non, partagez. Ça marche. Merci, ma chérie. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à toi. À bientôt. Merci. Bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt. Voilà. La ligne est ouverte. Voilà. Alors, quand je vous dis que quand vous avez vos gens, protégez-les. Maman, le retournement de... Maman, le retournement de situation de ça. Vous croyez que les gens vont perdre leur situation au Cameroun à cause de vous? À cause de vous? N'est qu'un grain de sable dans le désert. Un seul petit grain de sable. La ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Comme vous avez fait le scandale à l'aller, c'est comme ça que vous allez faire le scandale au retour. Oh, ah. Oh, ah. Vous avez fait le scandale à l'aller. Pipi est où? Voilà celle qui m'aide. Je vous dis que... Oui, oui, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, oui. Je passe la ligne? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Allez, vas-y, on t'écoute. Parlez un peu fort, hein, comme vous, vous gosillez aussi vos voix là. Là ouvrez les gosiers. Non, mais c'est pas, c'est comment? Non, parlez fort, non. Moi, j'aimerais savoir comment on dit de first class, la classe éco, non, c'est comment, je ne comprends pas. Tu demandes à qui? C'est moi qui les ai envoyés. Ouais, de classe VIP, là, à classe éco, là, le retour, là, c'est dur, hein? Ok. Moi, en tout cas, je voulais juste dire ceci. Je pense que, peut-être, je ne sais pas, mais le clash, ce qui s'est passé hier, parce que Aline, elle a fait un live qui a été vraiment très, très dévastateur. Un clash, mais pas possible. Et je pense que ça a joué là-dessus, au fait. Mm-hmm. Parce qu'elle a beaucoup clashé beaucoup de personnalités et tout. Mm-hmm. Et je pense que ça a joué là-dessus. Bungaman, l'homme, bon, vidéo, non. Bungaman, l'homme, vidéo, vous. Bungaman, coupez, vous coupez, vous coupez. Bungaman, l'homme, bon, vidéo. Je sais ça, je sais. Mais je pense que ça a été un peu. C'est sur le gâteau, au fait. Je pense que. Voilà. Et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc, je pense que les numéros, maintenant, c'est les numéros du loto. Tout simplement. Donc voilà. Non, en tout cas, je laisse la ligne. Hein, et ok, ça marche. Bisous, bisous, ma chérie. Bisous. La ligne est ouverte. La ligne est ouverte. Agnou. Agnouda Bala. Agnouda Oué. Agnou Nyayendi. Ndoda Komam. Ndofoda Oué. Babajam. L'humilité précède la gloire. Je ne fais que répéter ça depuis là. Je ne fais que dire ça depuis là, que l'humilité précède la gloire. Le téléphone est ouvert. C'est là. Appelez. Finissons avec. Un truc que tu as l'honneur. Les gens ont mouillé le maillot. Les gens, je vous dis que Katino est dedans. Amapiero est dedans. Nathalie Mundiki, la riche, là, elle est dedans. C'est... Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Régis. Oui. Oui, je voulais intervenir sur le direct. Ok, je mets... Ma soeur, parle fort, hein. Oui. Ok.
Félix. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mais comment se fait que la CAN n'est pas encore finie? Les influenceurs d'État sont déjà dans le rôle. Je demande à... Vous me demandez. Élise. Allô? On t'écoute, Norma. Tout le monde t'écoute. Aline me fait... Je ne sais pas. Pour quelqu'un qui a été à l'école, ça, on ne peut pas le nier. Aline était à l'école. Mais elle n'a pas de dignité. Tata Aline me fait honte. Elle bavarde beaucoup. Elle gesticule beaucoup. Je pense qu'à son âge, elle devrait se calmer. On les invite. Mmh. Elle n'est pas dans l'anonymat. Elle bavarde, fait trop de propagande. Les gens au placé n'aiment pas ça. Voilà. Elle-même, vu son âge, ça ne donne pas. Mmh. Aline va rater beaucoup de choses. Pourtant, c'est une fille qui parle bien. C'est une dame qui peut séduire. C'est une dame, parfois, elle a des bonnes réflexions. Mais il lui manque beaucoup de tact, beaucoup de maturité. Et on les a logés à l'hôtel. Un événement comme la CAN, où il y a les étrangers, pardon, excusez-moi, où l'image du pays est en jeu, où il y a des grandes personnalités. Elles sont là à l'hôtel. Toute l'année, elles font du profit. Elles disent de tout et de n'importe quoi. Elles s'exhibent nues avec des maillots de bain, mais trop de vulgarité. Elles font beaucoup de faux pas. Mais il fallait qu'elles rentrent. Il était nécessaire qu'elles rentrent, ces filles-là. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est la honte. Aline dit qu'elle est une écam. Oui, tu es une écam. Ça veut dire que tu es une digne fille du pays. On t'invite. On te fait ce plaisir. On te dit même amène que tu veux. Mais c'est un privilège. Voilà. Tu es là. Tu ne te comportes pas en dame. Tu es là, tu te convaincs. Tu danses, tu écartes les jambes, tu es en maillot de bain. À son âge, à 53 ans, comme elle le dit. Mais ça, c'est quoi ça? Ou parce qu'elle n'a pas fait d'enfant, qu'elle croit qu'elle a le droit. Je ne sais pas si elle a les enfants. Hein. Et même, qu'elle croit qu'elle peut faire du n'importe quoi. C'est Tata Aline, mais je ne sais pas. Bon, mais oh, elle a été invitée. Elle n'a que Chantal ici. Mais la honte de ça. Mais enfin, c'est elle qui est ridicule. Élise. Celle qui est ridicule. Mais vraiment, moi j'ai honte à leur place. Maintenant, elle rentre dans le vol. Oh, mon retour est délibérément. Ma chère, elle se justifie. Elle bavarde beaucoup. Aline n'a pas de personnalité. Elle m'énerve. Mais son école ne sert à rien. Mais si tu n'es pas. Si tu as intelligence, mais au moins la sagesse. Mais il faut avoir la sagesse aussi. Oh, c'est déplorable. La honte de ça. Je pense même que la personne qui a invité Aline regrette même de l'avoir invitée. Ah oui, beaucoup. Attention, elle a éteint ses téléphones. On n'en parle plus. Débarrassez-vous de ça. Je crois que quelqu'un va perdre une... Madame Moudiki, on sait qui c'est au Cameroun. Hein. Excuse-moi. Mais oui, tu donnes le nom. Moi, je donne parce que je suis influenceuse. Enfin, j'espère quand même que je suis influenceuse. Du bordel, vous n'êtes pas digne. Et en plus de ça, tu donnes le nom de la personne. Mais Aline, qu'elle fasse attention, hein. Mais qu'elle fasse très attention. Elle bavarde beaucoup. Mais elle bavarde beaucoup. Mais de toute façon, ben, c'est ce que je voulais dire aussi. Hein. C'est dommage. Okay, mais merci. Il vaudrait mieux qu'elle rentre. C'est nécessaire pour tout le monde. Oui. Et même pour le Cameroun, parce qu'elles ne valent rien. Oui. C'est les filles qui ne valent rien du tout. On peut être blogueuse et digne. Il y a la veuve joyeuse qui montre le gros ventre, on dirait un lièvre qui a fait manger à l'hôtel. Et en plus de ça, sa mère est assise. À l'hôtel, sa mère est assise à côté. Et elle fait des bêtises comme ça, ta propre mère est assise à côté du lit. Tu es nue, tu fais les directs, tu racontes du n'importe quoi. Mais les mamans là-même,
c'est bien. Oui. Merci, ma bite. Merci. À bientôt. Bisous. Bye. Bon. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. La ligne est ouverte. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La colère des écans. Tu envoies un appel après, tu refuses. Il me bilan. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer après. Je n'aime pas les gens comme ça. Les gens, ils envoient les appels quand tu prends. Après, ils disent, moi, je bloque. Hein. Moi, je crois que ça a foutre. Hein. Sinon, vous ne le faites pas. Hein. Vous envoyez l'appel en ligne pour embrouiller les gens. J'ai remarqué au BAM quelque chose là. Je vais te bloquer. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. C'est pour intervenir? Oui, je voulais intervenir. Ok, allez-y. Aux soi-disant bloqueuses de l'État. Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà comment vous êtes parti, vous parliez au pays. Allez faire n'importe quoi. Si vous étiez vraiment sage, vous deviez rester tranquille, vous comporter. Assez la canne. Et après, quand vous revenez en France, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais vous n'avez pas été assez intelligente, assez sage pour faire ça. Non, il fallait que, comme la dame qui a parlé tout à l'heure disait, la mère de ma foufou, ça soit là. Et puis, la maman, là, elle a même dit dans un autre direct que Wallowos, j'étais dépassée, j'étais tellement étonnée. Donc, vraiment, ces femmes-là, elles sont allées se souiller. Il y a de quoi, il fallait qu'elles rentrent. Vraiment, c'est la décision a été très, très, très bien prise. Quelqu'un ne peut pas aller au pays pour la canne. Elle dit qu'elle vend le bois blanc et que c'est pour essayer avec les autorités, mais quand même respecter les gens. Respecter les gens, c'est quel délit ça. Mais franchement, son école qu'elle est partie là, c'est pour faire quoi? C'est pour venir écarter les jambes sur Facebook. Et dans tout ça même, on lui dit de choisir les gens. Elle va choisir une droguée. Mais celle-là, oui, c'était prévisible. Hein? Que cette dame-là, quand elle va prendre un verre de plus, ça serait gâté. Donc, vraiment, il y a de quoi. La personne qui a pris la décision de les faire rentrer a vraiment bien fait. Mais elle se permet de dire que oui, on est rentré volontairement. Est-ce qu'on peut expulser quelqu'un de faire rentrer en bus d'exclasse? Mais attendez, vous prenez des gens pour des bêtes ou quoi? Vous prenez des gens pour des bêtes? Un billet d'avion se paye aller-retour. On a dû juste changer la date. C'est tout. Mais arrêtez, vous prenez des gens pour des écervelés? On a changé la date et on vous fait rentrer. Donc, on vous fait venir en business class au Cameroun pour juste l'ouverture du monde. Parce que vous êtes qui, là? Vous dépassez les qui au Cameroun, là? La honte va vous tuer. Vous allez venir ici sur la toile, on va se faire ça du... Oui, on va bien se moquer de vous. Vous avez honte. Même celle-là, maintenant, elle était d'ailleurs devenue toute noire, plus que noire. Hein? Mais franchement, elle faisait vrai, elle avait honte. C'est moi qui ai amené Lolo Fosé, elle est restée, machin, moi, et puis tout. Vous toutes là, vous êtes pareilles, de toutes les façons. Pareil. Voilà. Je laisse la ligne okay. Et que les autres appellent aussi. Okay. Franchement, Foufou, il faut savoir que Foufou n'est pas quelqu'un à tenir. Il faut aller dans les bars, les Nganda, les tourne dos avec Foufou. Mais vous portez Foufou pour amener à Montfébé. Elle ne va pas se comporter comme ça. Qu'avec les pieds fumés, que même les poissons fumés d'Élise Battante brillent mieux que les pieds de Foufou. Vous amenez une dame comme ça au Montfébé. Qu'elle va aller faire quoi là-bas? Mais franchement, arrêtez quand même. Hein. Je laisse les autres appeler. J'appellerai si vous voulez. Ok, ça marche. Plus tard. Merci. La ligne est ouverte. Que je regarde d'abord l'heure que j'ai commencé. Non, c'est bon, tu peux raccrocher. Merci, merci. La ligne est ouverte. Akeo Swante, bon guanbe papolo. Les filles d'India et Lobo. Les filles Boulou. Les filles de Papolvia. La honte de ça.
Ouais, sur Yébokol, hein? 100%. Reparachuté. Les filles de Papo, les filles du Ndialo. Bon, Wanboboulou, 100%. Les petites filles de Papo. Je suis Yébokol, ne nous mélangez pas, je suis Yébokol. Ce sont les petites. Les enfants de Papoulie. Les enfants de Papoulie. Oui, je décroche, je décroche. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous voulez intervenir, madame? Oui, je veux intervenir. Est-ce que je suis encore en ligne? Oui, Est-ce que vous vous êtes êtes en encore en ligne, ligne? vous êtes en ligne, on vous écoute. Oui, je veux intervenir parce que j'ai vu le sujet du jour et c'est intéressant. En fait, c'est que quand j'ai entendu parler des blogueuses d'État, Oui. moi, personnellement, j'étais contente parce qu'on valorisait. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est que avant de prendre l'avion, elles ont nagué toute la toile. Vous vous rendez compte qu'on vous dit blogueuses d'État, vous naguez. Ceux qui sont des... Vous insultez tout le monde. Et il y a une qu'on appelle la joyeuse, celle qui est très joyeuse là. Elle dit, il y avait le nom de tel, il y avait le nom de Flo, mais j'ai dit qu'on enlève son nom pour mettre le nom de l'autre qui est sa sœur. J'ai dit que, mais c'est quoi? On vous invite, au lieu de vous cacher même, allez même vous cacher là-bas et faites vos bouches, vous étalez tout le monde et vous insultez les gens. Arrivez à l'hôtel, au lieu de rester calme et posé, vous vous vantez. Vous insultez tout le monde, vous naguez tout le monde. Il y a de quoi la population devait se fâcher, il y a de quoi les autorités devaient se fâcher. Je me dis que voilà qu'en voulant choquer Flore, finalement c'est Flore qui a gagné parce qu'elle a pris son propre argent qu'elle avait à programmer son voyage. Elle a voyagé, elle est chez elle, elle ne vit aux dépens de personne et c'est elle qui est à l'aise aujourd'hui. Ceux qui ont voyagé avec elle maintenant sont ouf. Les voilà dans l'avion. S'il n'y a pas de beurre. Parce que si c'était le beurre, non, c'est pas le beurre. Elles ont dit au départ qu'elles ont un mois s'est transformé en 2 jours. C'est pour Pardon, susciter dans attendez la que la vie une femme la transfert finisse. du monde. On va aller au fur et à mesure. On a le temps. Papa qui appelle là, pardon, attends. Attends. Laisse ta soeur finir Et de dans la s'exprimer. vie, c'est pour dire que dans la vie, moi particulièrement, j'aime toutes les blogueuses. Toutes les blogueuses, mais j'ai horreur de la méchanceté et des moqueries. Veuve Joyeuse a voulu choquer vraiment Flore. Elle a dit, j'ai mis Lolo parce que je ne voulais pas qu'on mette Lolo. Maintenant, c'est le Flo qui gagne le Cameroun et qui est en train d'organiser, qui est en train de faire la vraie canne. Les autres sont où? C'est vrai, ils ont fait la paix. Je suis très contente de leur paix. Mais Veuve doit faire un examen de conscience et comprendre que en voulant chercher le raccourci pour nuire à sa sœur, pour dire que Flo, tu ne viens pas, c'est pour elle qui est ridicule aujourd'hui. Et voilà notre chanteuse, notre artiste qui est en conflit avec toutes ses sœurs de son village sur la toile. Donc c'est la catastrophe. Moi, à sa place, voilà comment je devais me comporter avec ces billets. Je devais dire que mes frères camerounaises, ne dites pas que j'ai invité ma sœur Kabamileke. En fait, c'est parce que je voulais que nous soyons unis. Elle arrive au Mont Phoebe, elle vante la canne sans insulter les gens. Elle dit que, ouais, laissez, oui, on a dit que nous sommes des prostituées, ça ne fait rien. On va faire le travail des blogueuses. Mais elle a passé le temps à clasher, 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 sans repos. La seule qui s'est bien comportée, qui a essayé de bien se comporter, c'est un peu Lolo. Parce que Lolo était quand même timide. Ce n'est pas mal. Ça veut dire qu'elle se cachait quand même, mais le reste, les 2 autres là, c'était la catastrophe. Moi, je ne me moque pas d'elle, mais j'espère qu'elles ont retenu la leçon. C'est tout ce que j'avais à dire, Ok, parce c'est que c'est bien très fait. grave sur la toile. Il y a les directs, c'est partout. C'est Ok. grave. Allez, bisous, à plus tard. Merci. Bye. Maintenant c'est libre. Quand quelqu'un finit, appelez aussi. Maintenant, le téléphone est libre. Il faut appeler. Quand quelqu'un va appeler, vous allez aussi venir appeler directement derrière. Voilà, quelqu'un appelle. Oui, allô, bonsoir. Je mets directement la ligne pour les écouteurs, les gens qui écoutent. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je me permets d'appeler pour intervenir parce que Allez-y, on vous écoute, madame. je viens à peine de me connecter. J'ai vu que vous étiez en direct par rapport à ce qui se passe actuellement. Déjà, je vais commencer. Je refuse pas qu'on
qu'on a pu, je ne sais pas s'il faut appeler chasser ces filles, mais je veux aussi dire une chose. Ne nous voilons pas les yeux, sachant très bien et avouons qu'elles ont été tellement combattues. Et depuis qu'elles ont voyagé, les gens n'étaient pas d'accord pour leur voyage. Moi, j'ai vu sur la toile, il y a eu tellement de jaloux par rapport à ça. Je suis bien d'accord à dire qu'elles s'exposent et tout, mais la personne qui les a envoyées, en les envoyant, on savait très bien qu'elles sont comme ça à la base, quoi. Non, elles ne savaient pas. La personne ne savait pas. Pourquoi la personne, ce ne sont pas les femmes qui sont cachées. Elles ne sont pas cachées. Tout le monde les connaît sur la toile. Bah, vous savez, madame, excusez-moi de vous dire une chose. C'est que vous pensez que beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, même au pays, même ici en France. Mais sachez que beaucoup, par rapport au pays, beaucoup utilisent WhatsApp. Dans les groupes et autres. C'est pour ça que vous voyez souvent beaucoup de balances. Quand ça arrive, même parfois sur Facebook, c'est déjà passé dans les groupes WhatsApp. Donc, ces gens, beaucoup ne sont pas du tout sur Facebook. Donc, c'est maintenant, par rapport aux captures d'écran, des mini-vidéos de leur vie antérieure avant l'invitation, qui sont tombées maintenant sur les yeux de ces gens-là, via le réseau WhatsApp, qui se disent que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ce sont les maquis, ce sont les bazar. Non, il faut vraiment... Il faut arrêter de croire que tout le monde est sur Facebook, hein, non? Mais il y a une machine qu'on appelle WhatsApp qu'on sous-estime. Même moi, nous-mêmes, quand nous avons des infos là, c'est pas via Facebook, hein, c'est via WhatsApp. Hein. Donc, allez-y, madame, excusez-moi. Tant que c'est vrai, mais moi, je veux dire une chose. À la base, on ne peut pas se lever, on ne peut pas se permettre d'inviter quelqu'un si on ne connaît pas la vie de quelqu'un ou on ne voit pas la personne. Moi, je continuerai à le dire. La personne qui les a invités savait très bien qui elles étaient et comment elles se comportaient à la base. Et maintenant, je vais dire une chose. Les gens qui les jugent, qui ignorent... Moi, mon avis, hein, j'ai rien contre des filles. Hein, quand on a eu à inviter, on a payé les premières classes ou quoi que ce soit. Et moi, je le dis, dans la vie, tout le monde a une seconde chance. Aujourd'hui, on les juge parce que moi, j'ai tellement envie d'être sur les réseaux sociaux comme quoi elles ont voyagé en première classe. Elles sont dans les hôtels. Et ne nous voilons pas les yeux. Qui ignore au Cameroun que Coco Emile et Nathalie Koukoua vivent de l'argent des contribuables, dont les autres doivent profiter et les autres non? Si les autres profitent au pays, elles aussi, elles ont le droit de profiter. Mais nous voilà. Et quand Coco Emilia se lève, pendant son mariage, elle montre que Chantal Biya lui a offert le champagne de 10 millions. C'est normal? Pendant les 10 millions, on pouvait donner un fonds de commerce aux gens qui sont sortis de l'école de marketing ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui ont fait des longues études, qui n'ont même pas, qui rêvent même qu'on leur donne même 2 millions de francs CFA pour lancer un commerce, un business. Mais non. Mais quand Chantal Biya leur donne un fonds de commerce, elle donne une fille à une fille comme Coco Emilia de champagne qui vaut autant d'argent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a Nathalie Koua qui se lève, tout le monde qui ignore que ces filles-là au pays, elles vivent de l'argent des contribuables. Aujourd'hui, on va juste. Comme la veuve joyeuse, ne nous voilons pas les yeux. Elle est comme elle est. Mais qui ignore si une personne peut laisser sa vie, la veuve joyeuse? Parce que cette fille, elle a toujours dit, elle a toujours crié haut et fort comme quoi elle avait pour Biya, de telle sorte qu'on a même envoyé les niais chez elle, les gens chez elle. Dieu, nous autres, on regardait, on avait même peur qu'on pouvait lui faire du mal, parce qu'elle n'a jamais nié cela. Elle a même eu à se retrouver avec les gars de la base et dit que moi, je suis pour Biya, tuez-moi si vous voulez. Donc, à un moment donné de la vie, acceptons. Moi, je ne peux pas dire que ben, parce qu'on a invité ou quoi que ce soit. Donc, on les connaît à la base. Tout le monde sait qui elles sont. Donc les autres doivent profiter, les autres non. Marlène Mpoto qui se lève aujourd'hui, comme disait, elle n'a pas vidé l'argent de la CRTV avec son show, le feu, mais dans ses personnages. Tout le monde qui crie là, si on pas même regarder, les prostituées Bamileke et Betty Boulou ont profité de l'argent du contribuable camerounais. Nous autres, on regarde avec les yeux. Donc nous ne sommes pas des femmes, c'est parce qu'on ne parle pas. Si on regarde les femmes qui ont profité de l'argent du contribuable camerounais, ce sont les bêtises Boulou et Bamileke qui ont vécu avec l'argent de ces gens-là. Parce que ce sont elles qui ont tous les hommes qui sortent avec les gens qui sont au gouvernement. Donc, à un moment donné de la vie, qu'on arrête. Si c'est tombé sur elles, il fallait qu'on les laisse. Parce que moi, je suis d'accord, je suis convaincue qu'en les invitant, on savait qui elles étaient. On savait bien qui elles étaient. À un moment qu'on arrête avec la jalousie, c'est leur chance. Il fallait qu'on les laisse vers le truc. C'est comme ça, on les a invités pour aller là-bas. C'était pourquoi on savait très bien qu'elles sont à la base. La maman est plutôt qu'elle parle là. Elle n'est pas prostituée.
Une vraie femme peut faire autant d'enfants avec des papas différents. Toutes ces femmes qui parlent là. Mais à un moment donné, que les gens, ils arrêtent. Hein. Que les gens, ils arrêtent. Tout le monde les juge, dit du n'importe quoi. À un moment qu'on arrête cela. Coco a mis la vie du contribuable. Son truc qu'elle a ouvert là-bas, c'est pas avec M. Moustachu Mouélé. C'est pas lui pareil qui donne de l'argent. Elle a pris l'argent où? C'est pas les mèches que tout le monde vend là. C'est ça qui lui a rendu comme ça. C'est avec l'argent du contribuable qu'elle vit. Là, tout ce monde, à un moment donné, que les gens arrêtent. Tous ces petites prostituées qui sont au pays, elles vivent de l'argent du contribuable. Si pour une fois dans la vie, les autres ont eu leur chance, il fallait qu'on les laisse à un moment. Parce que tout le monde s'est acharné sur ces filles. Mais non, je ne suis pas d'accord. À un moment que les gens arrêtent cela, elles ont peut-être eu leur chance à la dernière minute, qu'on les laisse aussi profiter comme ça. La vie, c'est ça. Moi, je ne peux pas être jalouse d'elles, parce que c'est leur chance. Je n'en ai même pas besoin si je veux me payer un billet d'avion en premier cas, je vais. Mais qu'il fallait qu'on les laisse profiter de ce moment. Mais les gens arrêtent. Donc les autres doivent profiter. Donc quand vous trouvez que les autres sont discrètes, c'est normal que Coco ait mis la cela pour dire que le champagne qu'on a offert, ça a coûté autant de millions. Les niatres, quoi, tout ce qu'elles exigent. Elles gonflent souvent aussi un peu. Elles gonflent souvent un peu. Elles ne gonflent pas, mais l'argent, elle a monté. Elle a dit que c'est Chantal Bina qui lui a offert ça. Tout c'est normal. Elle en prononçant ça, c'est normal. Et pourtant, il y en a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sortaient des écoles, qui attendent seulement qu'on leur donne même un fonds de commerce, un fonds même de 1 000 euros, bien 1 million de francs CFA pour monter un business. À un moment donné, qu'on arrête cela. Ok, et madame, concluez alors pour que d'autres personnes puissent intervenir, s'il vous plaît. C'est de la pure jalousie. C'est de la pure jalousie. Il fallait qu'on les laisse profiter de leur moment. Ok, merci. Allez, au revoir. À bientôt. Bientôt. Je me fatigue déjà aussi. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Elise. Ça va bien? Bonsoir, je vais très bien, merci. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute, madame, allez-y. Oui, j'aimerais intervenir aussi pour mon avis, en fait. Comme disait notre personne qui parlait précédemment, je pense que il y a beaucoup de jalousie. C'est dommage parce que les Camerounais sont très, très, très méchants. Et c'est très, très dommage parce que normalement, ces photos ou ces vidéos de nos blogueuses, elles sont quand même des blogueuses, elles nous font rigoler sur la toile parce que ce sont de bonnes personnes. Je pense qu'elles sont. Malheureusement, il y a beaucoup de jalousie dans le milieu camerounais. Hélas, il faut que les gens arrêtent la jalousie dans le milieu camerounais. Les Camerounais sont très jaloux et méchants. C'est dommage. Vous-même, vous avez appris que ces derniers temps au Cameroun, il y a beaucoup de poisons. Peut-être que, vous savez, Dieu a plusieurs façons d'intervenir. Peut-être qu'elles pouvaient perdre leur vie. Et Dieu a préféré qu'elles rentrent. Elle a que de rester au Cameroun. Vous-même, vous savez ce qui se passe au Cameroun en ce moment avec la diaspora. Mais cela ne justifie pas quand même la méchanceté des gens parce que même les photos qu'on a publiées, c'est des photos privées. Quand quelque chose est privé, ça doit rester privé. Parce que tous ceux qui parlent là, ils peuvent se retrouver publiés sur les réseaux sociaux. Comme tu as dit tout à l'heure, Élise, ça peut être des photos sur WhatsApp, parce que ce n'est pas forcément sur Facebook qu'il y a toutes ces photos. Ça peut être des publications qui se font sur WhatsApp, effectivement, à cause de la méchanceté des compatriotes camerounais. Alors que moi, je pense qu'elles auraient pu rester, même s'il y a eu ces publications. Le gouvernement devait... c'est vrai, peut-être que le gouvernement ne les connaît pas ou quoi que ce soit, mais... Ils devaient laisser passer ça et elles devaient rester juste pour leur donner des consignes. Voilà ce que vous êtes venu faire ici. Mais aussi, comme j'ai dit précédemment, peut-être que finalement, elles ont échappé au poison. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Peut-être que le poison, on pouvait même leur donner le poison aussi. Mais peut-être Dieu a voulu préserver au moins leur vie. Moi, je pense que, ben, ah,
parfois des choses comme ça arrivent, elles sont rentrées, qu'elles rentrent plus, bon, peut-être qu'elles vont faire profit pas, mais je dis encore et je répète que c'est la méchanceté et la jalousie. Oui, 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 oui. C'est la méchanceté et la jalousie des Camerounais. Il faut arrêter. Il faut arrêter la sorcellerie. Oui, vous publiez les gens. Ces photos-là, c'était des choses privées. Vous venez publier ça comme ça en plein jour. Non, vraiment, c'est méchant. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça. Il faut rester. Les Camerounais doivent rester soumis. Donc, merci à toi, Élise. Je sais que tu veux sensibiliser les Camerounais. Et nous aussi, avec toi, merci encore de nous accorder ta parole. Donc, ça je marche. Laisse aussi merci le beaucoup. Micro. À bientôt. Pour intervenir. À bientôt. À bientôt. C'est une dame qui appelle depuis le pays. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Bonsoir. Oui, on t'écoute. Dans le direct. Oui, oui, tu es dans le direct, tout le monde t'écoute même déjà. Bonsoir, la paix des filles. Tu es dans le direct, ma chérie. Ouais. Ok, je voudrais vraiment par rapport à nos groupes, elles se sont d'abord très mal comportées en partant, ils insultent les voilà. autres. En fait, c'est ça le. Tu soulèves quelque chose de pertinent. C'était dès le départ. Hein. Oui. Ils gesticulent sur la toile, ils insultent ceux qui ne sont pas partis, les vrais blogueurs sont en train de partir, machin, ceci est conso. Non, ils se sont et arrivés sur le terrain au lieu de se comporter en grande personne. Et ils se déshabillent, ils se gesticulent, ils font des choses. Non. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas, on n'attendait pas cette réaction. On attendait peut-être les voir au stade, motiver les jeunes, faire en sorte qu'on sache qu'ils sont là. Parce que moi, je ne les ai pas sentis au stade. Mm-hmm. On t'écoute, Norma. Je ne les ai pas sentis au stade. En dehors des querelles que moi, j'ai écouté partout sur la toile, donc je ne les ai pas sentis au stade. Donc, ils doivent changer. Elles n'ont pas été au stade, pourquoi? Moi, je vous explique. Je n'ai pas le monopole de la vérité, mais bon, le peu que moi je sais, c'est que. On ne les a pas payés le prix d'aller danser autour de la piscine et gesticuler, insulter les gens, les tels ne sont pas venus. Dites pas le volume. Quand les gens appellent comme ça, ça fait une sorte d'interaction, en fait. Elle avait juste remercié la première dame et puis elle n'a pas insulté les gens. C'est ça. Donc, que les gens, ça doit les servir de leçon. Ça doit les servir de leçon. Peut-être, face à cela, ils peuvent apprendre à se comporter normalement. Ce sont des vieilles mamans. Si c'est leurs enfants qui font ça, qu'est-ce qu'ils vont dire à la jeunesse? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, la battante. Oui. Bon, avant de parler, il y a la dame qui vient juste de parler là. Elle a souligné des choses que je voulais dire. Elle a dit des choses très importantes que je voulais dire par rapport au comportement de nos sœurs. Il faut que les gens arrêtent de venir dire ce qu'ils sont en train de dire là, que oh, c'est la jalousie, oh, ils n'ont pas, que oh, ils n'ont, eux aussi sont venus faire. Non. C'est eux qui sont arrivés, ils se sont comportés comment? Attendez que chacun parle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle finit. Comment on appelle, eux, ils réagissaient? Comment eux, ils réagissaient? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez partir pour soutenir un pays. Pour soutenir un pays avec ce genre d'agitation sur la toile. Parce que quand on part pour soutenir un pays, vous êtes invité quand même par l'État à essayer d'avoir un comportement qui va avec. Il
faut avoir un comportement qui va avec pour que les gens aussi qui vous regardent voient que oui, vous avez quand même deux images, deux personnalités. Une personnalité pour vous dégainer sous la toile et une personnalité pour représenter un pays. On ne vous a pas appelé là-bas pour aller insulter les gens. Vous vous insultez jusqu'à insulter les gens qui sont aussi dans, sous cet même état, mm-hmm. qui travaillent pour cet état. Mais non, à un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités. Les gens là qui viennent intervenir là-bas, là, que non, c'était la méchanceté, on devait les laisser. Non, 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 non. Il y a des choses qu'on appelle la personnalité dans la vie. Il faut avoir la personnalité. Quand l'État prend son temps pour vous inviter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose en vous que vous pouvez montrer autrement aux Camerounais et aux étrangers aussi. Vous n'allez pas à l'hôtel où on vous a logé, c'est vous qui sont à l'hôtel, faites des va-et-vient, va-et-vient, crier, insulter, dénigrer les gens, couper le sommeil aux gens là-bas. C'est quel comportement ça? Mais à un moment donné, les gens en ont marre et ils se plaignent. Ils se plaignent que finalement, le progrès de l'État, là, il se sert à quoi? Il faut qu'on se dise la vérité, à un moment donné, il faut qu'on ait le comportement qui va avec. C'est nous-mêmes qui dénigrons nos pays et c'est nous-mêmes qui viennent dire que non, c'était la jalousie. Donc, c'est que ce comportement-là, pour les blogueuses de l'État, c'était ça. Quelle sensibilisation qui est donnée maintenant aux gens? Quelle sensibilisation à travers de leur nudité-là qui montrait dehors? Oui, on a vu mon cul dehors. Oui, on a vu où je prends mon départ. Eh bien, dis donc. Eh bien, le Cameroun, nos poussons. Ah ben, au Cameroun, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu et on voit les vérités en face et on le dit. Les gens ne sont pas contents par rapport à leur comportement. Point à la ligne. À l'hôtel là-bas, ils font les bruits. Théon, ils font le bruit. Le réseau social, alors n'en parlons pas. Les gars, ils sont passés à la télé l'autre jour. Il a fallu que Flo arrive pour que tout le monde, que l'atmosphère se calme. Adeline, elle se bavardait, c'est elle qui est intellectuelle. Hein. Nous, on n'est pas allé à l'école, c'est elle qui est intellectuelle. Mais la bavardage en elle, c'est le mot. Donc, à un moment donné, il faut qu'on connaisse là où on fait des bruits. Quand c'est pour faire des bruits sur Facebook, on fait nos bruits. Mais quand c'est pour représenter un pays comme le Cameroun, s'il te plaît, il faut qu'on... D'abord, le pays, d'abord, il a déjà sa part du problème. Il ne faut pas qu'on ajoute ce que nous, on traverse déjà. Beaucoup de problèmes. On a déjà assez comme ça, là, laisse-nous sortir de là où on est, pour qu'on puisse avancer. Donc, les gens qui viennent intervenir, que, oh, c'est la jalousie, l'autre là, eux, ils ont mangé, pourquoi ils ne veulent pas laisser les autres? Quand ils pouvaient manger, ils suent leur bouche. Mm-hmm. Oh, le problème. Mm-hmm. Elle est anglophone. Elle est anglophone. Donc, quand ils pouvaient manger, ils suent leur bouche. Elle fait un effort. Moi, je ne peux pas parler anglais, donc, féliciter les anglophones qui font des efforts de parler français. Moi, je ne peux pas parler anglais comme elle fait là. Continue, ma chérie, donc, continue. Ils crient là-bas que les gens qui sont venus intervenir, ils disent que eux aussi là-bas, là, eux, ils mangent. Mais quand eux, ils mangent, ils ont vu qu'ils ont sorti fait des boucans dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas venus faire le boucan. Ils ont mangé et essuyé leur bouche. Donc, du coup, eux-mêmes devraient faire pareil. Qu'ils nous arrêtent cette histoire-là, que nous, on rentre pour travailler. Quel travail? Vous ne savez pas que vous devez travailler avant de voyager. Le Rwanda. C'était pas une affaire d'aller-retour, pas toujours. Et on ne les a pas vus à Oulembe. Ils sont partis, c'était pour aller demander au stade. C'était pour aller au Chaba. C'était pour aller au stade qui nous laisse cette histoire-là, que nous n'ont pas voulu aller, c'était pour animer. Il n'y a pas une histoire d'animation dehors. L'animation, là, c'était au stade. Donc, ils ont échoué dès le premier, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont plus eu accès pour continuer. C'est pourquoi ils n'ont pas eu accès pour continuer. Donc, le retour, là, non, on les attend ici. On va reprendre. En avant. Donc, le Nganda va exploser. On attend. Il faut lui donner seulement deux bouteilles. Qu'elle nous explose la vérité. Elle va nous dire. Elle va nous dire. On attend le reste. Conclue alors. L'autre, elle a échappé. L'autre, elle a échappé. Chance pour elle. On attend quand même.
En tout cas, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bisous. La terre est sale. Ouais. À bientôt. Bon. Ma ligne est ouverte. Il y a deux, trois personnes. Après, moi, j'arrête aussi. Je suis fatiguée. Ça sonne où? Ça sonne de quel côté? Moi, je mets directement le volume. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je suis tombée dans votre direct. Et puis, oui, j'ai vu Alex Mouven dans l'avion qui est en train de rentrer. En fait, moi, je me dis que déjà, la base, c'est Aline qui avait un réseau déjà pour commencer. Et dans la vie, on dit toujours, la bouche qui mange ne parle pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont envie de manger. Voilà. Des millions, des milliards de personnes qui veulent manger. Donc quand toi, tu as la possibilité, il ne faut pas parler. Vous dites volume, volume. Quand les gens appellent, je vous explique, quand quelqu'un est déjà en ligne, si une autre personne appelle, ça interagit, ça bloque l'autre personne. Ça rend le volume bas. Ça rend le volume et très bas même. Donc, c'est pas de ma faute s'il n'y a pas de volume. Si les gens respectaient que quand il y a déjà quelqu'un au téléphone, ils n'appellent pas, ce serait déjà bien. Allez-y, madame. Dès la base, déjà, quand elles voyageaient, elles ont fait trop de bruit. Trop de bruit. Il y a beaucoup de personnes qui l'argent du contribuable. Comme a dit une femme là, bon, je n'ai pas envie de citer, mais ces femmes-là qui mangent l'argent, qui sont au Cameroun, elles ne font pas du bruit. Tu mens, tu essuies ta bouche. Déjà, Aline, dès le départ, elle a choisi de très mauvaises personnes pour commencer. De très mauvaises personnes. Pour dire vrai, même les deux personnes qu'elle a choisies ne devaient pas être parmi. Bon, ça a été son choix. En plus, elle a pris la même joyeuse. Elle sait très bien que beaucoup de personnes ne l'apprécient pas vu son comportement. Bon, elles sont parties, elles sont arrivées au Cameroun. Déjà, quand elle voyageait, elle n'était même pas obligée de dire que c'est l'État qui l'a fait voyager. Elle n'était pas obligée. Elle devait rester calme, dire à ses compatriotes, je vous ai choisi, on part au Cameroun, on reste tranquille. Est-ce que vous savez, Elie Batan, que beaucoup ont voyagé grâce à l'État? Il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement les blogueurs. Mais qui ne parlent pas, qui restent tranquilles. Et quand elles arrivent, oui, il y en a, moi j'en connais, qui sont sur la toile, qui sont au Cameroun. C'est l'État qui les a fait voyager. Mais ils ne parlent pas. Parce que j'ai suivi un de vos directs, bon, je sais que peut-être c'était pour animer, vous étiez en train d'animer, quand vous étiez en train d'intriguer, par exemple, Steve Fah, quoi. Que pourquoi il n'amène pas une telle personne? Monsieur le ministre, non, chacun a son réseau. Parce que ce ministre-là a aussi beaucoup de personnes qui l'aident. Donc quand toi-même, tu as déjà ton réseau, tu fermes ta bouche, tu essuies, tu restes tranquille. Parce que tu vas amener une autre personne, peut-être la personne-là peut même faire là, tout se ferme. Donc vraiment, moi, je vais dire ce qui est arrivé aujourd'hui, ça va servir de leçon. Tata Aline, bon, peut-être si tu la côtoies, c'est une femme qui s'exprime très bien. Elle a beaucoup de talent. Elle est romancière. Elle est humoriste. Elle est même artiste. Mais elle a un problème. Il faut qu'elle soigne sa personne. Les réseaux sociaux, elle devrait d'abord même disparaître des réseaux sociaux. Déjà, quand elle se met à... C'est vrai, elle est une belle femme. D'accord, ce n'est pas donné. On ne dit pas non. Mais se mettre en slip, soutien et danser, non, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'il y en a qui n'ont pas ce beau corps. Ça, il faut le dire. Qui ne vont pas apprécier. Donc, il faut déjà qu'elle soigne sa personne. C'est très important.
qu'elle soigne sa personne, qu'elle essaie de voir autour d'elle. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de personnes, un peu comme on a cité, vraiment, je ne vais pas citer des gens, par exemple, comme les Marlène et Voutou. C'est pas un exemple. Elle est vénère. Non, c'est pas un exemple du tout. Mais elle est toujours en train de mettre les bâtons sur les roues à d'autres personnes. Bah, elle ne veut pas voir les autres évoluer. Elle ne veut pas qu'on aide les autres personnes. Mais elle, quand elle fait, elle veut montrer qu'elle est, elle est, elle est, elle est. Mais quand elle-même, elle part souvent dans les, dans des hôtels dont elle se filme, ce n'est pas toujours elle qui paye. Hein? Ben oui, ce n'est pas elle qui paye, c'est l'argent du contribuable. Mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Dans la vie, c'est ça, la bouche qui mange. Il faudrait que Tata Aline apprenne et sache que peut-être ça va lui servir de leçon. La bouche qui mange ne parle pas. Vraiment, pour ne pas aller très loin, je vais m'arrêter là. Okay, en même temps, je me dis, même si c'est qu'on leur a demandé de partir, mais ce sont quand même des grandes dames, non? Elles pouvaient dire que bon, on va virer l'hôtel, d'accord? Si vous voulez annuler ce billet d'avion, elles restent et finissent la canne, elles se payent un billet d'avion retour. Super. Mais franchement, moi j'ai honte à leur place, hein. Par exemple, Lolo Foudia, c'est pas parce qu'elle a beaucoup, non. Mais il y a une honte que maman, tu es une maman, tu as des enfants, on te fait ça. Non, tu ne peux pas. Tu m'as dit que non, je libère votre hôtel, il n'y a pas de problème. Votre billet, si vous voulez annuler, il n'y a pas de problème. Mais je suis venue pour un mois. Je vais rentrer peut-être au quartier, dans ma famille, ou alors je ne sais quoi. Et Tata Aline Zomoubé, j'ai même vu, elle a filmé, elle a arrangé sa maison. La maison de famille, je veux dire. Elle pouvait retourner, je ne sais où, et payer son vrai retour. C'est ça qu'on appelle de grandes personnes. Il ne faut pas forcément avoir, mais il faut laver ton image. Le fait qu'elle soit rentrée là comme ça, je me dis que ça l'a encore plus rabaissée. Beaucoup plus rabaissée. Oui, bah, il faut conclure. Oui, donc c'était pour dire que dans la vie, pour conclure, la bouche qui mange ne fait pas de bruit. Voilà. Donc, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. À bientôt. Bye. Ouf. Oh, les amis, s'il n'y a plus personne qui appelle, allons-nous tous dormir l'état. Il est 12h17. Ok, il y a encore quelqu'un qui m'a intervenu. Je suis fatiguée, pardon. Dernière personne est au lit. On va pas faire un direct de 4 heures. Oui, allô, bonsoir. Allô? Attendez, je vous retrouve d'abord même. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous disiez quoi? Que vous ne voulez pas faire un direct de 4 heures? Non, allez-y, on vous écoute. Direct. Vous êtes la dernière personne, donc je respecte. Vous avez appelé avant que je ne coupe le direct. Donc, on vous écoute avec tous nos sens et tous nos oreilles bien tendues. Ok, bonsoir à tous ceux qui écoutent tout et tout. Bon, voilà, je vais faire un petit condensé de tous les précédents auditeurs là qui sont passés. Moi je pense déjà que il faut aller plus loin, il faut voir plus loin. Moi je crois que le casting est fait à l'image du sélectionneur, de celui qui a fait le casting. Donc c'est le gouvernement. Et je pense que voilà, moi c'est le reflet tout simplement de l'administration que nous avons dans notre pays. Donc c'est ça quoi. C'est-à-dire que ils n'ont pas fait un tri comme ça là à tout vous. Ou comme ça, vous voulez. C'était bien pensé, c'était bien réfléchi, c'était bien sélectionné. Après, les critères, on peut dire que c'est... Je ne pense pas que ce soit ethnique ou bien... Il y a eu certainement des... Peut-être ça a été impulsé par des connivences ethniques et tout ça, mais il y a que c'est le reflet de cette administration-là. C'est une administration villageoise.
excusez-moi l'expression, mais voilà, c'est une administration villageoise parce que je pense que sur la diaspora, il y a tellement, mais il y a une comment je peux dire, un réservoir inépuisable de Camerounais valeureux de toutes de toutes les classes, quoi, de toutes les classes. Est-ce que il y a vraiment un. Ouais. Quand tu dis une administration villageoise, je suis plutôt contre cette phrase-là parce que c'est quand même lourd. Hein. Le problème, c'est qu'il se passe un truc au Cameroun qui est que je connais un tel et je peux te faire changer. Tu vois un peu? C'est pas forcément. On ne nomme pas, on ne prend pas des places au Cameroun par rapport aux critères. Je veux dire, si tu as un CV comme ici en Europe, où tu et tu donnes ce que tu as fait et tout. Mais le plus souvent au Cameroun, j'espère, je prie mon Dieu pour que à l'avenir, que ça change un peu, qu'on donne des postes aux gens par rapport à leur mérite. Vous savez, même au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, hein, pour en revenir du fait que vous avez en parlé, que ce soit une administration villageoise, il y a certaines forces de l'ordre qui ne savent pas rédiger un PV. Tout à fait. Une parenthèse. Donc, allez-y, monsieur. Exactement. On vous écoute. Oui, c'est tout simplement ce reflet, c'est le reflet là. C'est-à-dire, sur un cas comme celui-ci, on peut faire plusieurs cas d'études. C'est le reflet, c'est-à-dire, il n'y a pas, ce n'est pas la méritocratie, ce n'est pas, enfin, tout est galvaudé, les valeurs sont galvaudées. Par exemple, on prend des gens comme ça, c'est pas ce type de personnes. Après, je n'ai rien personnellement contre elles, je ne les connais même pas. Après, je sais seulement que je vois souvent certaines vidéos un peu d'elles, faire de ces personnes en mode sketch et tout ça. Et puis voilà, il faut souvent déconstruire certains mythes. C'est pas parce que j'ai entendu la dame, la précédente intervenante, elle a parlé de pourquoi qu'il y a de la jalousie, parce que voilà, il ne faut pas exhiber le pourquoi, mais je veux savoir de quoi on parle. De quoi on parle en fait? On parle de moralité, on n'est pas en train de parler de beau corps. On parle de moralité. Et le problème avec nous, c'est qu'on a, on a une déchéance, comment je dirais, morale dans notre pays, parce qu'on est laxiste. On est exagéré. Allô? Oui, on t'écoute, monsieur. Oui, on vit, le Cameroun vit une décadence morale, éthique, tout simplement parce qu'on est laxiste. On est complaisant avec tout. Il n'y a pas de rigueur. Quand la dame parle, elle dit, elle a un beau corps, machin, mais c'est pas. Il y a longtemps que ces femmes sont dans des actes dépravés, depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, il y a des vidéos qui montrent clairement que ce n'est pas, enfin, c'est pas des personnes dont on devrait à qui on devrait accorder du crédit. Le corps, oui, le corps qui se pavane comme ça sur les réseaux sociaux à un certain âge. Quel beau corps, on parle de quel beau corps là? Parce que s'il fallait même qu'on parle de beau corps, c'est pas ça qu'on prendra comme référence. Il y a tellement de femmes de sa tranche d'âge qui ont une peau encore plus renfermée, mais qui ne s'exhibe pas. Ce n'est pas une comment on dit quoi une fête de exhibitionniste. Quand même, c'est les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui regardent ça en face. Il y a des jeunes Camerounais qui regardent ça. Des jeunes filles qui ont aujourd'hui le téléphone est à la portée quand même de beaucoup de Camerounais. Imaginez un peu le nombre de jeunes filles qui sont tombées sur ce type de vidéo, ou le nombre de jeunes garçons. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et le gouvernement va donc piocher. Enfin, je dis, c'est un membre du gouvernement. Je ne sais pas si je ne sais vraiment pas. C'est encore flou. C'est un réseau. C'est une histoire de réseau. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Une histoire de réseau, okay, d'accord. Connaissance qui fait plaisir à leur connaissance. Au final, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils ne savaient pas que les réseaux sociaux allaient avoir cet impact-là sur ce petit manigance. Allez, vas-y, tu veux y aller, ok, vas-y. Donc, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai prononcé déjà. Moi, j'ai prononcé le nom de toutes les personnes par rapport à ce réseau-là. J'ai prononcé les noms des gens de A à Z. Et je savais qu'en prononçant leur nom, ça n'allait pas être rigolo, ça n'allait pas être drôle, parce que à la base, ce sont des gens très discrets. Hein. Ce sont des gens qui roulent leur bosse
auprès de ces gens-là et qui ne veulent pas forcément que leur numéro soit sali, en fait. L'autre a Oui, été j'ai juste compris, idiote. Notre consoeur Aline, Précise Marie Zomombom, a été idiote. Il faut dire les mots comme il se doit. Elle a été bête. Même par rapport à mes ce n'est pas interpellations. seulement aujourd'hui. Oui, On sait que ça se excusez-moi, fait, ce n'est pas oui ou seulement non? aujourd'hui que, ce n'est pas On seulement sait que aujourd'hui ça qu'elle se est fait, oui ou idiote. non? C'est On depuis sait. des années que ça dure. Ce Voilà, n'est on pas sait que ça seulement se fait. aujourd'hui. Mais même, oublions un peu même le Cameroun, oublions l'Afrique, même en Europe, ça se fait. En France, ça se fait. Les petites manigances, des Ah bah. petites connaissances et tout, ça se fait. Ça se fait. D'accord. Mais sauf que Mais les gens le font il y a une dans la chose. discrétion. Et Oui, vous mais. savez très bien que si il y a un tel truc, un tel scandale, mais on fait sauter le président. Oui, mais il y a une chose. Là, si je dois, si je comprends bien ce que vous dites, l'État, enfin, je veux dire, les personnes qui ont engagé cela ne sont pas responsables. Mais attends, je pense que je pense que quand le nom de Monsieur Ayolo, c'est-à-dire, je Enlever, pense que je c'est peux pas pas me anodin. C'est des permettre de personnes qui ont prononcer le commis nom ce, c'est pas eux. du DCC parce que moi, les Hein? informations que j'ai eues n'ont rien à voir avec Monsieur Ayolo. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce monsieur-là. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Ok, C'est aussi donc tombé, alors, ça lui est tombé dessus il comme faudrait. ça. Il n'y est pour rien. Moi, je vous Parce que. dis, à toute honnêteté, je me porte garant, il n'y est pour rien. Je vous dis bien que à la base, ça sort de Katineau, Amapiero, Nathalie Moudjiki, et ça s'arrête là. Ceux qui savent qui est De quoi Nathalie vous parlez? Moudjiki, tous les Camerounais qui Pourquoi savent alors elle qui est veut pas? Nathalie Moudjiki peuvent déjà analyser le reste. Je n'ai pas besoin d'approfondir. Oui, mais pas. Oui, moi je parle sur les faits, je parle sur ce que j'ai, sur ce qui circule. Partout on dit, même dans les directs un peu partout, on dit c'est le gouvernement, beaucoup de personnes qui sont montées au créneau ont justement imputé la responsabilité au. Enfin, on dit que ça vient du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'initiative du gouvernement d'inviter les influenceurs. Ça, depuis le début de la CAN, c'était déjà programmé. Donc maintenant, quand vous dites, quand vous dites le contraire par d'autres, en argumentant comme ça, en disant non, ce n'est pas le gouvernement n'y est absolument pour rien, ça me surprend là. Je ne dis pas que le gouvernement n'y est pour rien, mais c'est le nom de M. Ayolo Modo qui ne doit pas être là. Parce qu'il n'a rien à y voir. Vous comprenez un Mais ça peu? veut dire. On peut Oui, accuser je le comprends. gouvernement, mais. Ok, d'accord. D'accord. Donc je ne cite pas donc Ayolo, je dis gouvernement. Voilà. Donc je lui impute ça. Oui, je dis ok, d'accord, je lui impute pas ça du gouvernement. Voilà, je dis c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que voilà, même s'ils l'ont fait comme ça, juste à la va-vite, mais voilà les répercussions. C'est-à-dire les répercussions, elles sont là, quoi. C'est beaucoup de gens non et beaucoup de gens se sont révoltés, et à juste titre, parce qu'ils estiment que ce n'est pas. Pendant que certains font l'effort de redorer l'image, ou alors de porter haut la bannière du Cameroun, il y en a qui la ternissent, en fait. Et ils sont surpris que ce soit ce même gouvernement-là qui choisit ce type de profil-là pour, voilà, pour davantage ternir. Après, moi, c'est ma conviction personnelle. Je dis ça, ce n'est Mais on pas anodin. C'est respecte une administration ça, on respecte. qui ne fait que refléter sa gestion gestion du Cameroun et même le regard qu'elle porte sur notre diaspora. Ça se voit clairement, même que, voilà, c'est comme s'il y a même une intention de ne pas vouloir, comment je dirais, donner la vraie, enfin, la visibilité ou la vraie lumière. Aux valeureux membres, voilà, aux valeureux Camerounais de la personnes diaspora? de la diaspora. Voilà, c'est mon point de vue. Je finis par là. Après, voilà, ce qui concerne les deux dames, c'est juste choquant. Ouais, c'est juste choquant. Et c'est triste de voir ça. Après, voilà, donc, il y a pas, moi, il faut pas relativiser. Comme j'ai entendu les précédentes en disant ceci, en disant cela, non, non, c'est quand même quelque chose de grave, se comporter comme ça pour des gens qui vivent en diaspora. C'est quand même quelque chose de grave et choquant.
Parfait. Mot de fin. Concluez alors, on vous écoute. Vous êtes vraiment, je suis fière de parler en camerounais intelligent, intellectuel, ça fait plaisir. Alors, on vous écoute pour la conclusion. Non, je ne suis pas intellectuel. Enfin, moi le mot de fin, j'étais jeté les fleurs. Conclue alors. Si tu veux que je te parle avec une voix entre nous, conclue alors. Mais bien sûr, pas entre nous, non. Moi, mon mot de fin, c'est quoi? Laisse-nous ça. C'est tout simplement, on est juste impatient que, en fait, tout change. Et je pense que le point central et majeur, quand il changera, tout le reste changera. Ce point-là, on attend vraiment cela impatiemment pour que chaque membre de la diaspora de toutes les différentes couches apporte sa pierre à l'édifice, à la construction à l'essor de notre pays. C'est tout ce qu'on attend. Et pour l'instant, avec ce qu'on voit, voilà, ce n'est peut-être pas évident maintenant, mais on attend qu'il y ait un changement réel. Parce que moi, je lis tout ça. Je fais une filiation entre ce gouvernement-là, enfin, l'état du pays actuel et tout ce qu'il y a là, toutes ces choses-là et tout. Voilà, moi, c'est mon mot de fin. Même tout ce qu'on entend et les empoisonnements et tout ça, c'est parce que le milieu... Qui enfin, alors, mon frère? Le milieu... Déjà. Allô? Oui. Je suis sur le direct de Nice. Oui, c'est le direct de Nice, mais vous allez être la dernière personne à intervenir, madame, parce qu'il est tard et puis je... Allô, monsieur, il est long. Il est long. Je vais le couper. Il est où même? Je le chope. Il est où? Je vais le couper. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, allez-y, madame. Oui. On coupe. Ce sera pour une autre fois. Il est tard. Oui. Quand on entend les gens dire, comme le monsieur qui vient d'intervenir là, ok, on ne devrait pas les inviter. Pourquoi d'abord à la base? On ne devrait pas les inviter. Pourquoi à la base? Mais tout le monde a le droit d'être invité. Si quelqu'un a un privilège qu'on l'invite, ils ont le droit d'être invités. C'est des blogueuses. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous écoute, madame. Tout le monde vous entend. Oui, tout le monde a droit d'être invité. Mais le problème, c'est au niveau du comportement. Peut-être que les gens qui les ont invités, ils savent comment elles se comportent. Mais elles se sont trompées cette fois-ci. Peut-être qu'elles se sont dit qu'elles vont bien se comporter. Leur retour inico presto est dû à leur comportement. Et cela, c'est sûr. Plusieurs facteurs. Beaucoup de bavardage. Beaucoup d'exhibition. Et comme ça ne suffisait pas, la même soyeuse, comme je peux appeler ça, c'est un voyage professionnel pour se réinviter, pour faire du show. Sa maman vient faire quoi l'hôtel? Comme si ça t'est énervé. Qu'est-ce que la maman de la veuve joyeuse vient chercher à l'hôtel, dormir à l'hôtel avec elle. Et elle fait des vidéos et tout le monde voit sa mère qui est couchée. Elle a été invitée toute seule pour faire un boulot. Si elle veut profiter du climatisement, elle a une chambre climatisée au pays et dit « Maman, va dormir dans le climatiseur. » Qu'est-ce que sa mère? Ça aussi, c'est un autre facteur qui est choquant. Ils font du n'importe quoi. Dans sa chambre, il y avait seulement des cousines ou des cousines qui m'amadaient dans la chambre d'hôtel. Leurs cousines sont là. Est-ce que c'est pour ça qu'on les a invités? Non. Est-ce qu'elles disent pour de vrai? Leur retour, ils ont... Mais elles ont même été rapatriées. Elles ont même dans ton pays et on t'expulse. Elles ont été rapatriées. Oh, et les gens qui les ont invités, ils les ont dit, vous nous foutez la honte, fichez la paix, vous n'êtes même pas digne des femmes camerounaises. Il y a la veuve joyeuse qui est à l'hôtel, sa mère est là. Elle fait le direct et elle montre les seins. En
la bœuf joyeuse. Moi, je ne sais pas. Hein. Vraiment, celle-là, il paraît qu'elle a un bouton qui ne fonctionne pas. Après, vous voyez des femmes qui se comportent comme ça. Quand leur vie ne vont pas aller, oh, c'est la jalousie. Oh, on m'a fait ça au pays. Oh, les sorciers ont fait que toi-même, ton comportement peut faire que tu ne vas avoir rien de bon dans ta vie. Elle encore, je la classe dans son coin. Parce qu'elle, c'est une dévergondée. Mais à l'île Zomomber, qui nous fatigue. J'étais à l'école. Ma maman était ceci. Mon papa était ceci. J'ai les diplômes. Je suis romancière, humoriste, cinéaste et autres. À l'île. Et à l'île Zomomber, tu sais lire et écrire. Regarde. En partant, vous avez nargué toute la République, tout le monde entier. Nargué maman Perpé. Perpé, tu m'en avais choisi sa vie. Elle est chez elle avec un homme. Que ce soit même un homme marié, et l'homme de quelqu'un, comme on dit, au moins, elle est chez elle. Elle a laissé certaines choses. Dans la vie, à un moment donné, il faut savoir se tenir. Laisser certaines choses. La folie, même, nous-mêmes, nous l'avions fait à un certain âge. Il faut savoir se caser. Regarde le comportement à l'île de mon bain. C'est elle qui m'énerve. La veuve joyeuse, je m'en fous. Elle, c'est une papelée, c'est une folle. Mais à l'île de mon bain, toi qu'on invite, toi qu'on demande la matriarche d'amener les gens, regarde ton propre comportement. Parle, parle, ma bique, parle, parle, parle. Le comportement de l'île de mon bain a été médiocre. Élise, elles ont pris le vol. À l'heure où nous parlons, elles sont en l'air. Ce sont nos sœurs. Prions qu'elles atterrissent ce matin. Élise, fais-nous un bon direct demain. On ne va pas les lâcher. On va les framponner correctement et bien. On va bien les abonner. Si tu veux, Élise, trouve-toi le temps. Le temps de nous fumer le poisson. Le temps de laver tes enfants. Trouve-nous le temps. Demain, là, on doit les faire leur fête. C'est la reine des reines. J'ai pas envie de les insulter, mais elles m'obligent à les insulter. Les deux bordels comme ça qui vont nous foutre la honte au pays. On t'écoute, tout le monde t'écoute. Les deux bordels, hein? Les deux sapacs là. Hein? Les deux sapacs, elles sont allées nous foutre la honte. C'est ça. Le Cameroun, c'est un grand pays. On organise la canne. Oui. Et elles vont s'exhiber là-bas. Et après, elles vont dire, nous sommes les écans. Nous sommes, vous salissez tout un peuple. Nous sommes. Ah, nous sommes les voilà donc les dignes filles des camps. Regardez, les dignes filles des camps. Oui. Et arrêtez un peu de dire que la jalousie, quelle jalousie. Yeah, on les fait quelle jalousie. Tout le monde peut s'acheter un billet d'avion. Pas parce que c'est la canne. Moi-même, j'y vais dans 2 mois. Tout le monde peut s'acheter un billet d'avion pour aller au pays. Quelle jalousie! La jalousie de quoi? Elles n'ont rien, c'est les pauvres filles. Elles sont parties, on leur a donné quoi? Voilà comment elles sont. On les a mises dans l'avion comme les sacs de patates. Oh oui, bien volé. Comme les sacs de patates. Arrêtez un peu d'accuser les boucs émissaires. Oh, c'est passé la jalousie. Eh, c'est passé. Quelle jalousie! Un billet d'avion ne coûte pas des milliards. Tout le monde peut s'acheter un billet d'avion pour aller. Beaucoup de gens ont préféré travailler. Si ce n'est que pour aller à la canne, tout le monde pouvait partir. Mais il y a des gens où ils préfèrent son boulot qu'aller se pavaner au Cameroun. Mais vous qui avez eu la chance d'avoir un billet d'avion gratuit, appelé par l'État, mais comportez-vous. 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 C'est elles qui vont venir s'asseoir ici, encore raconter du n'importe quoi, comme elles n'ont pas honte. En tout cas, je m'arrête là, tu as sommeil, ma belle. Merci, mais fais-nous un direct demain. Okay. On ne va pas les louper. Les deux bordels, on va les framponner demain. Moi-même, je vais appeler de Komamoukou. Je dis, il est